It's in the game. If it ain't now, it's never. For the dough, for the cheddar. Stand up, roll up together. Raise your antenna. Yeah, ignore every ledger. Still tall cats when I step up. Sick like a leper. Tough like a stone roll. The terror active when I go get up. Delivering the pepper. Straight to your chest, no checkers. And none of them ever do it better. End of my tether, full cool press when I'm bringing in pressure. Every jump shot I just keep getting better. I got the black rain, favorite weather. Midsummer's night, colder than ever. Wheel of fortune, gotta spin like propeller. I make them sing for their life, I capella. Cover rise, I've got another fat stack from a cellar. You know why? All in, never half step. I wanna see everyone rep. Cause we've got the tools on deck and we love how the system set. Yeah, yeah. All in, never half step. I wanna see everyone rep. Cause we've got the tools on deck and we love how the system set. Yeah, yeah. Everything live on deck. I saw it with a vibe on deck. We're not hard to find on deck and we love all the system. Everything live on deck. I saw it with a vibe on deck. Not hard to find on deck and we love all the system. If it ain't now, it's never. For the dough, for the cheddar. Stand up, roll up together. Raise your antenna, yeah. Ignore every ledger. Still tall cats when I step up. Sick like a leper. Tough like a stone roller. Terror active when I go get up. Delivering the pepper. Straight to your chest, no checkers. And none of them ever do it better. Yo. All in, never half step. I wanna see everyone rep. Cause we got the tools on deck and we love how the system set. Yeah, yeah. All in, never half step. I wanna see everyone rep. Cause we got the tools on deck and we love how the system set. Yeah, yeah. Everything live on deck. I saw it with a vibe on deck. We're not hard to find on deck and we love how the system. Yeah, yeah. Everything live on deck. I saw it with a vibe on deck. Not hard to find on deck and we love how the system. La voilà, la grande attraction de ce match, c'est un joueur dont le rendement est un... Nous sommes actuellement installés dans les gradins du Benito Villamarine, ce stade emblématique du foot espagnol. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Oh, le but de quelques minutes seulement et déjà un but dans ce match. Bombazo! Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Un but très important qui a même fait sortir leur coach de sa réserve. Quelle image! C'est dire s'il y avait de la tension. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Un bon ballon à jouer pour profiter du couloir. Oh non, le centre est trop enlevé, occasion ratée. Il y a un autre but là dans le match de Séville apparemment. Oui Benjamin, c'est le premier but en faveur du FC Séville. Un but à zéro donc, alors que le match a commencé il y a 10 minutes. Ah, c'est bien noté, merci Laure, tenez-nous au courant. Et un peu d'espace sur l'autre côté. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Mais la pression pour empêcher la relance. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Attention à la frappe.
Et oui, but! Le but du doublé, quelle performance! Avec l'instinct du buteur, la finition diabolique, c'est ça la signature d'un super joueur! Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Nabil Fekir. À une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Ah, Modric, bien vu la passe. Oui, très bon timing sur cette passe. Et le danger toujours. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Et depuis l'aile, il repique dans l'axe. Le ballon placé légèrement trop enlevé. Dommage, c'était bien vu. Ouais, c'est très bien défendu. Allez, il faut l'aider. Il faut lui proposer des solutions là. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. C'est sur la barre, c'est pas fini. Oui, c'est bien joué. Le danger est éloigné. Attention, grosse occasion. Oh, la tentative. À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Elle parade, mais le ballon est toujours en jeu. Et ça chauffe encore. Et oui, le but, splendide, ça y est, le hat-trick c'est fait, un ballon en plus pour sa connexion, un ballon qu'il va emporter chez lui. On revoit sur ces images la passivité incroyable de la défense qui est incapable de gérer correctement cette situation. Personne ne communique, on se parle et au final, c'est l'adversaire qui en profite. Ah, le ballon qui va changer de propriétaire. Ah, le ballon intéressant. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Le Bétis est en difficulté. Le coup d'envoi de cette seconde période. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Ah, le centre est donné en retrait, bien joué. Fekir. William José reçoit le ballon. Bien défendu. Fekir. À cette distance, pourquoi pas. C'est bien fait, la bonne progression. C'est bien parti. Et voilà le but. La cage était vide. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. On le revoit, le but était grand ouvert et donc ça finit au fond sans trop de difficultés. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. La perte de balle de Nabil Fekir. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant.
face à face avec le gardien. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation! Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et attention, il y a un but marqué à Villarreal, un but à l'Estadio de la Ceramica. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but pour Villarreal. Ça fait donc un but partout, alors que le match a débuté il y a 63 minutes. Merci Laure, et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Miranda. Les Béticos qui reprennent ce ballon. Et c'est donné en profondeur. Ballon reçu dans l'espace. Et c'est au fond. Goal! La simplicité alliée à l'efficacité, ça donne une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. Ah, le ballon change de propriétaire. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Attention, il y a un but qui vient d'être marqué dans le match de Séville, apparemment. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but pour le FC Séville. Un but signé Yann Uzay sur une reprise de volée magnifique. 2-0 pour l'instant, après 75 minutes de jeu, Benjamin. Ah, c'est bien noté, merci Laure, tenez-nous au courant. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. David Alaba, le duel remporté. Ah oui, l'excellent ballon. Ah, il y a encore le feu. Goal! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Au départ, on s'attend à autre chose et puis finalement, le ballon n'a pas le temps de redescendre. Il est joué de la tête. C'est vraiment très bien joué. Ah, l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Ah, la différence est faite. Il faut qu'on négocie ce ballon là. Et c'est encore dangereux. Et voilà une intervention tout en maîtrise. Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Ce ballon rendu directement aux adversaires. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Oh, mais quelle parade! C'est fini, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre et le Real Madrid remporte les 3 points de la victoire. Une performance collective parfaitement accomplie qui a permis à cette équipe de produire un magnifique football et de remporter ce match. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Attends. Et ça chauffe encore. Ouais, c'est bien fait la bonne progression. Ouais, c'est bien parti. Et voilà le but. La cage était vide. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas.